commando, 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 commando. E ancora Jesus. Mino yo nzambe atiana motoe Pe mino yo mondele abambi moto Tia yango bobele liboso ya mokuwae Kokoye basolo mino oyo ya kota kolie Mo Kristo ya solo babonde la kayete Akota kolie nde komando. Ok, chers sœurs, frères, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, qu'on attendait l'arrivée de l'homme de Dieu, pasteur Lifoko du ciel, qui séjourne pendant un temps ici à Montréal pour un spectacle qui sera le samedi, donc 21 juin. Et nous l'avons attendu, il a accepté quand même de nous accorder ce moment pour... des questions et réponses, et nous le remercions également pour ce temps qu'il a accepté de nous accorder. Et nous commençons sans plus tarder. Nous sommes ici dans la salle où il est en train de préparer ses spectacles. Donc c'est ici où il est en train de faire ses répétitions en vue de ses spectacles du 21 juin. Bonsoir, pasteur Lifoko. Et bonsoir, pasteur. Et la première question que je voudrais vous poser, je vois on écrit Lifoko du ciel. Il y a des gens qui veulent savoir exactement pourquoi du ciel. D'où vient ce nom du ciel? Est-ce que c'est un nom que les parents vous ont donné ou c'est un nom qui vient de la révélation de Dieu ou c'est quoi? Bon, mais pour commencer, vous savez, la tradition africaine doit être respectée. C'est-à-dire que chez nous, quand les enfants naissent, on cherche le nom d'un arrière-grand-père ou tel grand-oncle et ceci et cela. Mais on me dira, ça a été rapporté, quand ma mère était grosse, mon grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère, en dormant, il avait fait un songe où il voyait son frère aîné, Lifoko Isolena Simon-Pierre, venait dans le songe pour lui dire que je suis revenu dans la famille parce que, dit-on, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, c'était un mécanicien. Il travaillait dans une société belge. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas aidé la famille. Il a été tué même pendant la rébellion, je crois, de Moulélé. Alors il disait que je reviens dans la famille pour aider, pour vous aider. De Moulélé, c'était dans les années 64. Je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis revenu dans la famille pour vous aider. Donc l'enfant qui naîtra, ce sera un garçon, il faut donner mon nom parce que c'est moi. Alors le grand-père avait douté et il va faire encore un deuxième songe, il verra. L'homme revenait cette fois-ci avec un cercueil. Il dira que si vous ne donnez pas ce nom, alors je veux prendre cet enfant avec moi. C'est ce qui fait que quand je naîtrai, donc un garçon, ils n'ont pas hésité un seul instant de me donner le nom de ce monsieur. Donc Simon Pierre Lifoko Isolena. Donc c'est ça le nom qu'on m'a donné. Bon, ils croyaient réellement que j'étais cet homme-là revenu. Dans ma mère, d'ailleurs, il m'appelait toujours Papa Kulutu, pour ceux qui connaissent Lingala, donc le grand-oncle. Et le grand-père, lui, m'appelait toujours Yaya, donc grand-frère. Et voilà comment je vais grandir. Et je veux croire la parole de Dieu, ayant compris qu'en Christ, nous ne sommes pas les esprits qui se réincarnent, qui reviennent. Voilà pourquoi, pour marquer la différence entre ce Lifoko-là, qui est mort païen, et moi, donc, j'ai pu ajouter moi-même. Lifoko du ciel. Donc moi, je ne suis pas ce Lifoko-là qui était revenu dans les songes pour dire que je suis. Bon, plus tard, je me suis dit peut-être que c'était simplement un esprit de Dieu comme ça qui, par moi, peut-être prêchait la famille. Le bonheur qui s'attendait, peut-être c'était pas l'argent, c'était Christ. Et c'est ce que le Seigneur a fait parce que par moi, une grande partie de la famille a accepté la parole de Dieu, le message, et ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce pseudonyme de Lifoko du ciel. Je pense que c'est bien expliqué. Et les gens qui s'est posé des questions, je pense que chacun a eu sa part. Et l'explication a été claire. Comme étant un pasteur, il a expliqué comme il enseignait. Et la deuxième question, pasteur Lifoko, il y a des gens peut-être qui vous voient
au travers des images, il y a des gens qui ne savent pas si vous êtes marié. Parce qu'apparemment, on ne vous a jamais vu avec votre épouse. Mmh. Et ils veulent savoir, est-ce que vous êtes marié, oui ou non? Ah oui, je suis marié. Pour celles-là qui penseraient peut-être que je suis vu, donc je crois que le doigt en dit déjà beaucoup. Je suis marié depuis 92, donc je m'étais marié. Ça fait déjà donc 16 ans qu'on est avec mon épouse. On a 4 enfants, 4 filles que j'aime beaucoup. La première, c'est Acacia. Acacia, par rapport à l'arche de l'Éternel qui était faite avec le bois d'acacia. La deuxième, c'est Symphonie, donc la grande musique de Dieu, la parole de Dieu, tout ça. La troisième, c'est Millésime. Certainement, vous allez me poser la question, pourquoi Millésime? Millésime veut dire simplement une année favorable. Donc, vous voyez, quand les gens cultivent les raisins, si cette année-là produit des raisins jutés et que ça donne un bon vin, on appelle cette année-là le millésime. Donc, il y a une bonne récolte. Et en 2002, le Seigneur m'avait parlé par une prophétie qui devait me bénir. Il m'avait promis tas de choses. Et il me les a données toutes en 2002. Et c'est en cette année-là que ce bébé-là va venir. Donc, c'était vraiment ma plus belle année. C'est pourquoi je lui ai donné le nom de millésime. Bon, il y a la dernière délice qui a une année. Pourquoi délice? C'est simplement parce que je voulais tellement d'un garçon. Mais une fille est venue, j'ai dit, la Bible dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Donc je m'attends à ce que la prochaine étape qu'il me donne un garçon. Voilà pourquoi j'ai dit délices. Donc je fais de l'Éternel mes délices pour qu'il me donne enfin ce que mon cœur désire. Voilà, j'ai 4 filles. C'est la deuxième qui chante et aussi la troisième. Acacia aime bien chanter, mais elle ne sait pas chanter. Mon épouse aussi ne sait pas trop bien chanter. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et la troisième question, vous êtes ici à Montréal pour un spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est dans 2 jours. Mm-hmm. Comment vous sentez-vous en ce moment? Mais je sais que vous êtes un homme habitué des grands spectacles. Mm-hmm. Mais ça, c'est la première fois de fouler le sol canadien. Et comment vous sentez-vous avec les préparatifs et en vue du spectacle? Il y a longtemps, quand j'avais commencé à faire ce genre de spectacle, parfois j'ai paniqué, je me disais comment ça va se passer. Bon, avec l'expérience, on s'est dit il faut s'abandonner à Dieu. Vous savez, prenons une histoire, quelqu'un est allé voir un film, il est allé voir un film où l'acteur était presque menacé vers la fin du film, il était presque menacé. Vous voyez, quand on était des petits, quand l'acteur était vraiment menacé, on retenait le souffle, et si... On mâchait quelque chose, on s'arrêtait pour voir la fin. Aussi, il arrivait que l'acteur n'était pas mort. Hein? Et qu'il n'était pas mort, et à la fin, il a tué tout le monde. On repart à la maison, on prend un ami, on revient voir le même film. Je crois que si on arrive là où l'acteur est vraiment menacé, si vous qui étiez déjà, vous aviez déjà vu le film, vous allez garder votre calme, vous allez commencer même à vous réjouir. Celui qui n'a jamais vu va paniquer. Vous savez pourquoi l'autre va se réjouir? Parce qu'il connaît la fin de l'histoire. C'est lui qui panique parce qu'il ne connaît pas la fin de l'histoire. Et donc je crois que c'est même dans ce monde-là que vit Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. C'est pourquoi Dieu ne panique jamais. Voilà. Donc moi aussi, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a la pensée de Dieu. Nous savons qu'on peut commencer avec des difficultés, mais ça finira toujours très très bien. Avec lui, nous ferons des exploits. Donc je m'attends à lui, je m'abandonne à lui. Je sais que ça va très très bien se passer. Amen. Ouais. Ça, c'est réellement du genre l'Ifoko que nous connaissons et non plein de révélations. C'est quelqu'un qui parle à l'enseignant directement. Et pasteur Ifoko, parlons un peu de vos compositions, parce que là, il y a des gens vraiment qui ne se retrouvent pas quelque part dans les thèmes que vous donnez. Et ils se posent des questions. Je prends un exemple aujourd'hui, Crayon à gomme. Et il y a aussi la généalogie. Non, prenons d'abord Crayon à gomme. Qu'est-ce que vous vouliez parler d'abord par Crayon à gomme, s'il vous plaît? Bon, je voulais tout d'abord dire à mes frères et sœurs, il y a une étiquette qu'on nous donne déjà d'emblée comme ça, l'Ifoko, le branhamiste. En réalité, nous avons cru le message de Branham, c'est un serviteur de Dieu. Et nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Mais au travers de son message, nous en avons fait notre source d'inspiration. Parce que je crois que chaque message doit présenter Jésus-Christ. Un message, c'est comme un panneau qui vous pointe. Et je crois que c'est le travail que nous faisons. Nous sommes des petits panneaux qui pointent vers Jésus-Christ. Alors, dans ces enseignements, ma source d'inspiration, j'ai trouvé
pas mal de choses. Bon, c'est vrai que tout le monde lit, je lis la Bible, je vis d'autres choses comme mes expériences personnelles et par là j'essaye de m'inspirer là-dessus. Mais je ne saurais pas vraiment vous parler comment ça vient parce qu'il y a toujours un peu un élément surnaturel là-dedans. Bon, mais je ne saurais pas aussi vraiment expliquer le surnaturel. Mais moi et Dieu, nous avons un contrat. Quand il me donne un cantique, je n'écris jamais. Hein? Malgré tout ce que j'ai comme cantique, je n'écris jamais. Écrire comme ça, je n'écris pas. Et je lui ai toujours dit, si ça vient de toi, grave cela. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Donc je rechante. Bon, il y a comme un phénomène, c'est comme de douleur d'enfantement. C'est comme s'il faut que quelque chose sorte. Bon, il y a un peu de phénomène un peu inexplicable qui arrive à la fin. Bon, et en parlant un peu sur le message crayon à gomme, en fait, c'est juste, c'est un peu proverbial, quoi. Je voulais parler. Il y a des gens, tas de gens, c'est un message sur la repentance. Tant de gens croient qu'ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Tant de gens. Alors je crois que le christianisme est basé beaucoup plus sur le pardon. D'ailleurs, la foi elle-même, elle est basée sur le pardon. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas le pardon, si Christ ne vous pardonne pas. Moi, j'ai l'habitude, quand je prêche dans mon église, on ne peut pas prêcher la guérison aussi longtemps que l'homme a la condamnation. Quand il y a la condamnation, on ne peut pas avoir la foi. On se sent indigne, on se sent rejeté. Alors quand on te dit que Christ t'a pardonné, c'est à ce moment-là que vous avez la foi. Vous commencez à espérer, vous commencez à dire oui, ça peut être possible. Alors en parlant de crayon à gomme, je dis simplement que nous, en tant que chrétiens, devons avoir non pas un stylo à encre de Chine où on écrit définitivement pour ne plus effacer. Dans une société, on cherchait quelqu'un, mais le test était d'écrire avec crayon et gomme. Parce que on est homme, on peut faire des erreurs. On te dit écrit parfois 100. Mais vous ajoutez juste un zéro derrière le 100. Là, ça devient 1000. Ça devient 1000. C'est un manque à gagner pour la société. Alors, si vous l'aviez écrit avec l'encre de Chine, il est difficile d'effacer les zéros. Mais avec crayon et gomme, facilement, vous pouvez effacer sans qu'il y ait beaucoup de dégâts. Donc, beaucoup de gens, parfois, ils ne peuvent pas demander pardon à leurs femmes, même pas pardon à leurs enfants. Donc, ils se disent, quoi, moi, j'écris avec l'encre de Chine, c'est fini, C'est ce que j'ai fini. dit, ça reste comme ça. Je suis le Personne ne père, peut. c'est moi le mari. Ah, bien sûr. Or, c'est Christ qui est le parfait. Et quand il entre en nous, il fait de nous des parfaits. Mais cette perfection, c'est par le sang. Mais nous commettons des erreurs et nous arrangeons nos erreurs. C'est cette perfection de Christ que le chrétien porte. Ce n'est pas le parfait comme Christ l'était. Il ne commettait pas des erreurs. Mais notre perfection, nous, c'est parce que nous avons cru sur le parfait. Et cela fait de nous des parfaits. Mais nous branchons d'une manière et d'une autre. Et merci. Bon, il y a aussi ce que vous avez composé, Chambre noire, là. Chambre noire, là, c'est. Je sais pas, même les gens qui nous écoutent, là, ils peuvent chanter ça, mais exactement, quelle est la révélation cachée dedans? Je voulais simplement dire que c'est dans la chambre noire que se développe enfin le négatif au parfait. C'est-à-dire que quand un photographe prend les photos de clichés, avant qu'il ne développe la photo, c'est-à-dire avec toutes ses couleurs, ça doit passer par la chambre noire. Et aussi, avant une exposition des œuvres d'art, on fait passer toujours les œuvres d'art par ce qu'on appelle la chambre de critique. Alors, il ne faut pas que l'artiste, quand on critique, on dit ici, soit un gros nez, il se fâche. Il doit prendre ses critiques pour perfectionner son œuvre. Donc, quelque part, les critiques poussent l'artiste à perfectionner son œuvre. Ainsi, nous aussi, nous devions accepter facilement qu'on dise, regarde tel frère, il est ça, il est ça, il est ça. Il ne faut pas directement se fâcher. Il faut parfois rester calme, se dire, est-ce que ce que les gens disent, ce n'est pas ce que je suis, pour essayer de se perfectionner. C'est dans les critiques, c'est dans cette chambre noire de critiques que se développe un caractère divin. Ouais. Il y a aussi la télévision. Ça, en tout cas, il y a des gens qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'est la révélation cachée dedans. La télévision, c'est simplement parce que vous savez que là où nous sommes, là, il y a des images qui passent. Il y a des ondes, il y a des images. Mais pour arriver, les scientifiques disent que nous avons la matière, la lumière et les gaz. Ce sont les trois états de la matière. Donc nous avons les trois dimensions là. La matière, je peux la toucher, les liquides, je peux toucher, et même les gaz, parfois aussi, on peut arriver à toucher. Mais après les liquides, la matière et les gaz, il y a ce qu'on appelle la quatrième dimension, ou les ondes.
Alors, déjà, à partir de la quatrième dimension, l'homme n'arrive plus à accéder à ça. Tel qu'on est là, il y a des images qui nous passent ici, qui nous traversent. Mais on ne sait ni le toucher, ni le voir. Alors, pour entrer à la quatrième dimension, c'est-à-dire voir ces choses qui se passent ici, il faut un récepteur. C'est le récepteur qui rend visible ce qui est invisible. C'est ça. Donc, or, en tant que chrétien, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ, il y a la colonne de feu, toutes ces choses que nous connaissons, les anges, mais ils sont dans une dimension invisible aux humains. Mais pour qu'ils soient visibles aux autres, c'est le chrétien qui rend manifeste ces êtres angéliques, les divins, les surnaturels, la colonne de feu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre de païenne. Mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Est-ce qu'on peut donner les acclamations? Ça fait combien de temps, en termes d'années, que vous chantez pour Dieu? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 83. Je trouve que c'est normal. Quand on donne quelque chose, surtout son cœur à Christ, il est aussi bien de donner aussi les dons qu'on a. Parce qu'on nous a dit que quand il y a eu des mages qui sont venus voir l'enfant Jésus, ils ne sont pas seulement venus à seuls, ils ont amené aussi des dons qu'ils avaient. Quand j'ai cru au Seigneur en 83, c'est en ce moment-là que j'avais commencé à chanter comme tout le monde, mais je me faisais déjà remarquer par des anciens. Mais je ne chantais pas en carrière solo. Et ceci est venu, je crois, vers fin 83, que j'avais composé une chanson en lingala. Je n'ai jamais eu le privilège de mettre ça soit sur disque ou quoi que ce soit. Mais si je comprends ça, c'est votre première composition. Bien sûr. Est-ce qu'on peut l'entendre? Onani azwilo biko lelo oyezangi makila na masia lobikwe jalise na mwana na mpate oyezangi litonu Yesu Kristo yonzambenanga yokufa kimponanga yo mbo etenga inazwa bomoi bomoi aseko libera. J'ai chanté ça en 83 et ça a été vraiment, comme on dit, une révélation. Les frères ont remarqué les timbres vocaux. Bon, ce n'est pas avec cette voix parce que j'essaie de vieillir. Oui, c'était un peu trop jeune, limpide là. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai intégré un groupe de chorale à Lemba avec des frères. J'ai chanté, c'est vers les années 87. Quand j'ai fini l'école, j'ai eu le diplôme d'État. Et je suis revenu maintenant à Kinshasa parce que les parents m'avaient déplacé, l'église. Déjà en 83, là, les chansons et tout, on m'avait chassé de la maison. Les 83, on m'a chassé de la maison à cause de Christ. Et dès là, on m'a envoyé dans le Bas-Congo aller étudier à l'internat. J'ai été presque enfermé là-bas. Mais Dieu, par sa grâce, a fait qu'on puisse avoir les diplômes et je suis revenu. C'est en 86, 87 que j'ai commencé maintenant à faire la carrière solo à l'église. J'ai chanté « Pourquoi seulement moi ?» Mais voilà le pourquoi, il m'a aimé par sa grâce. Et c'était ça, un nouveau style. Ça c'est vraiment une chanson que moi-même j'aime également. Ah, ouais. Et cette grâce est incommensurable. Bon, on l'a fait. Et depuis là, j'ai commencé à chanter à l'église. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on enregistrait derrière le radio. Et
Et ça fait comme ça pendant 15 ans, je crois, donc de 83, au moins 17 ans peut-être, 83 jusqu'en 2000, je crois, en 2000 ou 99, 98, 99, c'est là où je suis entré au studio. Pour la première fois, ce n'était pas aussi facile parce que. Excusez, pasteur, il y a une chanson qu'une sœur avait chantée. Nous, on nous avait dit que c'est de la composition de Pascal Ifoko. Un jour, c'était la sœur Jolie d'État, avait chanté un jour sur un chemin. C'était réellement votre composition? Oh oui. Bon, le Seigneur nous l'avait donné. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup, pas mal d'autres chanteurs en RDC, au Congo-Brazzaville, qui ont essayé de chanter. Même d'autres aussi en Europe, qui ont essayé de chanter. Je trouve, il n'y a pas de mal en cela que les autres chantent. Mais le mal, c'est quand on ne respecte pas l'esprit du compositeur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans quel état d'âme il se retrouvait? C'est comme une autre chanson. Moi, je disais, Seigneur, toi, tu connais mon cœur. Et puis, je disais, Seigneur, je connais les souffrances que tu as endurées pour moi. Mais il y a une sœur qui est très célèbre chez nous là-bas, qui a pris ça, qui a dit, Seigneur, toi, tu connais la souffrance que moi. Moi, je crois qu'on ne peut pas comparer la souffrance d'un mortel à ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Sa mort a été une mort juste qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un mourir de cette manière. Donc, c'est aussi ça, vers les années 99, qu'il y a eu tellement de gens qui commençaient à remarquer quand quelqu'un prend les cantiques de l'Ifoko, il les chante, il monte, il les propulse à la télévision, à la radio, tel, tel. Ceux qui connaissaient, c'était un peu comme des troubles dans des cités, des ceux qui avaient déjà des cassettes. Ah, il a encore une fois volé les chansons de l'Ifoko. Mais est-ce que, pasteur, est-ce que ces gens qui prenaient vos chansons, est-ce qu'ils manifestaient une certaine reconnaissance envers vous? Je ne dis pas financièrement, ni fait ce que vous demandez, vous remerciez, tout ça. Non, ils n'ont jamais demandé. Ils n'ont jamais demandé. Bon, c'est comme ça. C'est comme un autre frère qui avait chanté. On m'a dit souvent tout ça. Bon, celui-là, au moins, j'ai eu l'occasion de le voir, de lui dire, frère, c'est pas mauvais que de répéter parce qu'il nous arrive aussi de chanter les chansons de Wesley, des autres, tout ça. Mais ne fût-ce qu'écrire auteur-compositeur tel, je crois que ce serait un peu plus honnête. Mais lui, il m'a dit, non, ce n'est pas ta chanson, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné. Donc. Pour lui, le Saint-Esprit, c'est dans les vents. Et le Saint-Esprit vient, il chante. Mais je crois que le Saint-Esprit utilise des hommes. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes presque à la fin, je voudrais vous demander quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui chantent ou qui veulent chanter, qui veulent embrasser la carrière musicale chrétienne? Il y a tout d'abord un, parce que arriver aujourd'hui à ce que nous sommes arrivés. Par exemple, je peux parler en cette année simplement, j'ai voyagé au moins. Je suis peut-être à mon 10e voyage. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas moi qui me bats pour venir au Canada. Ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, ce que le Seigneur fait tous les jours, ça ne fait que m'épater, me surprendre. Moi, je crois que le chrétien ou le chantre doit s'attendre à ça. Parce que nous avons une maladie aujourd'hui. Les gens qui ne chante que pour l'argent, qui ne chante que pour devenir quelque chose. Nous, on a fait ça dans l'ombre. On a fait ça dans l'ombre pendant 17 ans, où tu ne composais pas, tu n'entrais pas au studio pour avoir de l'argent. Et c'était parce qu'il y en avait de ceux qui tordaient les cantiques. Bon, par exemple, il y a un cantique où je chantais, je dis, Nkolondeya. Mais ceux qui les chantaient, j'ai écouté une sœur chanter ça à Paris, et disait Colonel Ayebignonso. Bon, il y avait tout ça là. Et j'ai chanté Icabo, de la gloire n'est plus. Et il y a un autre frère qui chantait Ligablo, la gloire n'est plus. Alors, il y avait tout ça là, il fallait faire quelque chose avec mastering où les gens pouvaient vraiment écouter le message. Parce que quand on chante, c'est pour transmettre un certain message. C'est pourquoi nous sommes entrés au studio. Et j'ai fait plein succès à Jésus et la petite fleur, sans même un franc, même pas un petit dollar. Vous voyez, je l'ai fait comme ça. Le premier concert que j'ai fait à Paris, je crois que le frère là, il m'avait donné quelque chose entre 2500 dollars, que j'ai acheté les instruments de l'église qu'on avait d'ailleurs volés. Et j'ai joué comme ça, sans qu'on me donne un cachet. Prends ceci. Mais aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Les gens qui commencent directement le premier CD, ils veulent déjà qu'on vende.
il a déjà cet esprit-là qu'on vende, qu'il ait de l'argent, et puis la prochaine étape, voyager, aller en Europe. Oui, pasteur, nous sommes presque à la fin, comme je l'ai dit. Quel est le message que vous pouvez donner, vous pouvez adresser aux gens qui vous apprécient et aiment le genre de musique que vous jouez? Le message, c'est simplement de prier pour nous, parce que vous savez, dans une montre, il y a ce qu'on appelle les engrenages, et aussi ce qu'on appelle les aiguilles. Bon, tout le monde voit les aiguilles. Les aiguilles, c'est comme nous autres là. Nous sommes au podium, nous chantons, nous crions. Mais si les engrenages ne pouvaient pas tourner à l'intérieur, on ne pouvait pas voir les aiguilles. Donc, ce qui fait notre force, ce sont ceux-là qu'on ne voit pas là, qui prient pour nous, qui nous encouragent, qui nous écrivent des emails. Vous voyez, l'organe qui fait les enfants est toujours caché. On voit les beaux visages, mais on ne parle jamais de ces organes-là. Alors, ce sont ces gens-là que je voudrais leur dire merci pour leur soutien, leur appréciation de la manière dont il y a même les autres qui vous arrêtent en cours de route. Vous savez, moi, on m'a déjà fait descendre d'un bus à Kinshasa. J'étais dans un bus, on a arrêté, on dit « Papa, toi, tu ne peux pas entrer ici. » Je dis « Pourquoi non ? Toi, tu dois rouler à bord de Mercedes. » Je dis « Non, je peux aussi entrer ici, là. » Donc, il dit « Tu es resté pour nous. » C'est comme au beach, quand chaque fois je viens, là, il y a même un officier de la présidence, je crois, de la garde présidentielle, il me dit toujours « Papa, toi, tu es resté pour nous. Ne nous déçois pas comme les autres. » Alors, quand tu entends toutes ces choses-là, ça essaye de vous maintenir dans la ligne pour ne pas déçoir. C'est vrai que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Mais serviteur de Dieu, c'est vraiment une tâche très difficile. Parce qu'on sert en même temps et Dieu et en même temps on sert des hommes. On doit écouter et Dieu et on doit écouter les hommes. Alors, il faut beaucoup d'équilibre là-dessus. Donc, que Dieu leur bénisse, qu'ils continuent toujours à prier pour nous, qu'on soit profond dans la révélation, qu'on chante pour les aider. Voilà un peu ce que je peux leur dire. Voilà, mes bien-aimés dans les seigneurs, frères et sœurs, on ne peut pas parler de Pasteur Lifoko à Montréal sans pour autant parler de ceux-là qui ont contribué à ce qu'il arrive ici. Des gens qui ont dépensé l'argent parce que c'est le billet qui coûtait de l'Afrique jusqu'ici, se sont déjà encouragés. Parce que la Bible me dit que même s'il y a une seule âme sauvée, il y a la fête au ciel. Et par ces spectacles, il y aura peut-être une seule âme qui sera sauvée. Et ces gens-là, ce sont des gens qui se sont réellement donné peine de payer le billet, de supporter les frais pour que le passé le faut qu'on arrive ici. C'est le frère Pierrot et le frère Élie qui sont ici dans cette salle. Et nous aurons vraiment le privilège de les présenter également. Le caméraman peut réellement le présenter même à la prochaine fois. C'est le frère Élie et le frère Pierrot qui ont dépensé pour que le pasteur Lifoko arrive ici. Nous leur disons également merci et que le Seigneur puisse les bénir également. Est-ce que vous avez un message pour eux? Bénir aussi parce que vous nous aviez servi de ce cadre où nous répétons facilement, nous sentons que nous ne sommes pas tellement attaqués par des démons accrochés au mur, vous savez. Là où on invoque des mauvais esprits, quand vous venez pour changer l'atmosphère, ça a toujours été un combat. Mais nous sommes bénis ici dans cet endroit, toute la disponibilité, que Dieu vous bénisse aussi vraiment beaucoup ardemment pour cette implication. Parce que je crois que c'est le corps de Jésus-Christ. Parce qu'ici, il n'y a pas de tendance, des églises, des ceci, cela. Nous avons cette seule cause qui est Christ. Il doit être élevé. Et au-delà de cela aussi, je crois que nous sommes dans un même bateau. Il y en a ceux qui sont dans la cave, il y a ceux qui sont en deuxième classe, ceux qui sont en première classe. Si le bateau-là se trouvait quelque part, si c'est de la première classe acclamé, dites-vous, là, vous allez mourir. Je crois que c'est vraiment des balivernes. Tous, ils vont mourir. Donc, je crois qu'on est dans le corps de Christ et que Dieu vous bénisse beaucoup pour cet esprit d'ouverture que vous aviez manifesté et qu'il bénisse nos producteurs. Ah, merci beaucoup. On acclame. Voilà. Nous sommes à la fin et nous disons aussi merci au caméraman William, celui qui a pris les images et les micros du pasteur David Bolombé. Que le Seigneur vous bénisse.